C'était idéal, on a fait un gros travail de son. L'idée, c'était vraiment d'être avec lui et de tout ce qui se passe autour de lui, c'est vraiment périphérique. Et on l'entend par le son, et donc on est avec lui, en fait, et on entend ce qu'il entend, mais on est en permanence avec lui. Et on a fait un choix d'être radical, d'être proche de lui, de tourner en 4/3. Finalement, il y a une impossibilité de regarder à gauche ou à droite, il n'y a rien. On est obligé de regarder ce que moi, en tant que réalisateur, je convois, et donc on se concentre sur le personnage en ne le quittant pas des yeux.